pire, c'est que je sais même pas si c'est la numéro 5. C'est la numéro 5. Bon, d'accord. C'est donc une chanson que je chante depuis un moment, mais que je chante toujours avec le même plaisir. C'est une chanson de circonstance qui s'appelle « Des ailes ». Cette chanson, elle parle de prendre des risques, sauter de la falaise pour espérer décrocher des ailes. Thomas, moi, Gaël, on prend tous ces risques-là tous les jours, chaque fois qu'on monte sur scène. Mais c'est avec le plaisir parce que les ailes, c'est vous qui nous les donnez. Alors, je pense qu'au nom de tous les artistes qui sont montés sur scène aujourd'hui, les musiciens, je vais vous dire une fois de plus merci. Je sens le sol se dérober au bord du précipice. Voilà que je me précipite. Pris mon courage à demain, remis mes peurs à demain. Je me laisse porter par la brise, priant pour me poser sur l'océan. Si quelqu'un connaît un poisson volant, il est temps qu'il me dise. Ou décrocher des ailes, faire vivre, parce que quelque chose de vie, ça va faire mal. Ou décrocher des ailes, faire vivre, parce que quelque chose de vie, pour chier, pour ça, ouais, pas ça, de faire vivre. Ou dites-moi, ou décrocher des ailes, faire vivre, et dites-moi. Loin du bord de la falaise, je peux me résigner. Je m'accroche à l'hypothèse qu'un jour je pourrais voler. C'est un ange que je vois là-bas. J'espère que sans l'écraser, j'atterrirai dans ses bras et qu'il pourra me renseigner, me dire où déroter ses ailes. C'est le don j'ai tant rêvé, c'est la raison pour laquelle de la falaise j'ai sauté. Timidement, je l'emporte. Le flatte sur son plumage charmé. L'ange m'accorde un vœu avant l'atterrissage. Bruxelles, dis-moi. Où décrocher les ailes? Parce que quelque chose me dit, ça va faire mal. Où décrocher les ailes? Faire vite. Parce que quelque chose me dit que la chute pourrait s'arrêter. Cheers.